Ma meilleure amie m'a offert ce livre et pour moi ça a été vraiment une révélation, on va dire. Moi j'ai vraiment découvert Harlequin avec Emily Blaine et avec Colloque et Plus. Et à partir de là-bas, je me suis plus arrêtée. J'ai toujours eu des Harlequins à la maison en fait. Du coup, j'en ai toujours lu. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres de romance, et c'est ce que j'aime, cette diversité autour de la romance. Je sais pourquoi je les lis et je suis jamais déçue. Les éditions Harlequin sont dans l'air du temps et nous proposent des nouveautés en s'adaptant aux goûts et aux demandes des lectrices. C'est une maison d'édition qui a su évoluer avec son temps. Au début, on avait ce style de couverture. Maintenant, on arrive à des couvertures très très modernes. Et surtout au niveau des héroïnes, où on est passé de... C'est vrai que parfois l'héroïne très très cruche, à maintenant des filles qui savent ce qu'elles veulent. Fini les clichés gnangnan. On sort des sentiers battus, enfin des héroïnes auxquelles on peut s'identifier, des femmes fortes, des femmes rondes, des femmes rebelles, maladroites, qui ont du caractère. Et ça, vraiment, c'est super sympa à lire. Un autre point que je trouve très positif, c'est le nombre d'auteurs françaises que l'on retrouve de plus en plus dans la maison d'édition. Harlequin, notamment avec sa collection HQN, n'hésite pas à prendre des risques en publiant des auteurs françaises, des auteurs de romances françaises qui sont vraiment très chouettes. Et ça, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition françaises qui le font. Harlequin, c'est de belles rencontres, des belles histoires d'amour, du romantisme, de beaux voyages, du fun souvent parce que les héroïnes se mettent dans des situations assez improbables, du feel good, du rêve, la détente, des bons garçons parce que ça fait toujours plaisir et surtout beaucoup d'amour. Harlequin, c'est vraiment une communauté de fans, c'est une communauté de lectrices, on le voit sur les salons, les auteurs sont toujours tellement adorable, même sur le site internet, dès qu'on a des questions, on a des réponses, entre fans, on échange beaucoup, c'est une sorte de famille littéraire. La communauté Facebook, par exemple, on communique avec certaines des auteurs, elles nous répondent, on a des échanges sympas, constructifs, on donne nos points de vue, et c'est vrai que c'est très agréable de sentir que, qu'en tant que lecteur, on est quand même écouté par vos auteurs, par votre maison. Et ça, c'est très appréciable. Vous êtes une chouette maison d'édition et si je peux vous donner un seul conseil, continuez comme ça parce qu'on vous adore. Continuez surtout à nous faire rêver, à nous faire fantasmer, à nous faire voir la vie en rose avec des belles histoires d'amour. Merci de nous faire rêver depuis 40 ans. Continuez de nous faire rêver, voyager à travers vos livres, c'est juste super. Un magnifique 40e anniversaire à Harlequin. Joyeux anniversaire Harlequin. Très joyeux anniversaire Harlequin. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Harlequin.